Hop là, bien, salut à tous, merci d'être avec moi donc pour ce 7e épisode déjà du Castlevania Timeline Project. Hop, je bouge un tout petit peu le micro, voilà, comme ça. Alors, 7e épisode du Castlevania Timeline Project avec, comme vous le voyez là-haut sur l'écran, le Castlevania II: Simon's Quest, toujours sur NES. 2e épisode en compagnie de Simon Belmont. Alors, petit historique vite fait avant qu'on commence. Ça se déroule 7 ans après le tout premier Castlevania, ça y est, c'est bon, je suis arrivé à le dire 2 fois d'affilée. Donc 7 ans après le premier épisode, Dracula en fait juste avant de mourir, on a déjà un petit peu galéré pour le tomber. Ben, juste avant de mourir, il a balancé une malédiction sur Simon, qui en fait va le faire mourir prématurément si jamais Simon n'arrive pas à ressusciter Dracula, tout simplement. Donc c'est pour ça que là, 7 ans après le premier épisode, nous sommes en 1696, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. Et donc 7 ans plus tard, Simon repart chercher, donc là c'est un petit peu crados, mais bon... En même temps, on parle bien d'un Castlevania et pas non plus d'un Mario ou d'un truc mignon genre Klonoa. Donc là, Simon va partir chercher les morceaux de Dracula. Donc ça va être le cœur, les yeux, etc. Pour en fait réunir tout ça, le faire ressusciter pour le recrever encore une fois. En espérant que ça va lever la malédiction de Dracula. C'est rigolo d'ailleurs parce que quand on sait que le 3e épisode s'appelle Dracula's Curse, la malédiction de Dracula, mais qui se déroule, vu qu'on l'a joué déjà, ça fait un petit moment, qui se déroule bien avant dans la chronologie, c'est assez rigolo. Donc voilà, écoutez, on est tous prêts, là je vois que ça commence à s'activer pas mal sur le chat. Salut à Julian D52, salut à Krakiri, salut à Scarj, salut à Sakuragi. Et puis, écoutez, il aurait pas pu en faire un potager de tout ça, peut-être. Peut-être, non, mais là, il a préféré en faire, refaire Dracula pour se le répéter encore une fois. Bon, écoutez, on se lance tout de suite le générique, comme d'habitude, et puis on lance le gameplay de suite après. Allez, à tout de suite. Si j'y arrive, oui. Voilà, obligé de vous ajouter une scène vide au milieu pour arriver à vous balancer le truc comme il faut. Alors, je vais mettre un petit peu de son, parce que tant qu'à faire, le son était pas dégueu. Alors donc, comme vous le voyez, c'est la première fois que dans un Castlevania, nous avons le password, qui va devenir quelque chose qu'on va voir assez souvent dans les jeux sur NES. Notamment avec les Megaman par exemple, qui vont très très souvent utiliser le système de password. Là il s'agit... Ah oui, c'était un code, c'est vrai. C'était pas... Alors c'était pas à base de... comme on a pu y avoir droit... c'était dans lequel d'ailleurs? C'était dans les épisodes Game Boy, à base de fouet, orbe bleue, etc. Je suis en train de mettre des coups au ventilateur à côté. Là c'est carrément des vraies séries de chiffres, de lettres. Même de symboles et tout, voilà, de carreaux, piques, enfin bon, on s'en fout. De toute façon, on n'a pas encore de code à coller. Mis sans prix, tiens donc. Allez, reviens au début. Comment je fais, moi, pour revenir au début? La loose, je peux pas revenir au début. Bon, allez hop, si, il y a moyen d'en venir au début. Voilà, tac, ça va quand même beaucoup plus vite. Allez-y, c'est parti. Donc, first thing to do in this town is buy a white crystal. Ok, donc la première chose à faire dans cette ville, c'est d'acheter un cristal blanc. Ça, c'est cool. Salut Asano, coucou ma poule. Crooked. Ah, alors là, déjà, première constatation, on ne peut pas on peut pas faire passer de les dialogues plus vite. Alors, Crooked Trader is offering bomb deals in this town. Super. Donc apparemment, un mec qui pratique les échanges, donc, il propose des trucs de malade apparemment. Ah, bon, apparemment donc l'église est capable de me proposer de la vie, enfin de me soigner. Donc ça c'est pas trop mal. Y a pas des... Apparemment on a perdu le délire de péter des trucs. Buy what crystal. Alors je crois pas que j'ai les... Ah si, j'avais déjà les cœurs, ok, puisque j'ai acheté le cristal blanc. Ah non, je l'ai peut-être pas en fait. Ok, bon. Alors, want to buy holy water? Non, non, je pense. Alors apparemment donc, Scarj me l'a dit juste avant que je commence le live. Mais, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que... On... Salut Wevel, ouais effectivement. Oui alors apparemment voilà. Sparadrap m'avait dit donc fais super attention à ce jeu. Parce que c'est une plaie apparemment à finir sans solus. C'est juste une plaie. Voilà voilà. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Alors déjà on a des garous qui sautent partout. Apparemment c'est bel et bien fini le délire. Ouh j'ai du pognon. Apparemment c'est bel et bien fini le délire de péter des trucs. What a rogue might to have a curse. Ah ça y est, il fait déjà nuit. Ok. Donc, y a des cycles jour-nuit, et effectivement, lorsqu'il fait nuit, les ennemis sont quand même nettement plus puissants. Bah écoute, on va voir. Alors effectivement, ils sont quand même nettement plus puissants. On a pu le voir que... il a fallu quand même taper plusieurs fois pour finir certains ennemis qui me font quand même très mal. Voilà, déjà on a pu voir que les squelettes, il fallait plusieurs coups pour les... Il fallait plusieurs coups pour les finir alors que tout à l'heure un seul suffisait. Alors je ne sais absolument pas vers où je vais. Mais bon, j'ai avancé et il y a des ennemis qui sont apparus. Donc ça n'a pas l'air d'être... Ah bah ça c'est la plupart des jeux indés qui sont comme ça, Asano. C'est... Il y a gras de jeux indés qui ont des références comme ça partout. Notamment le, voilà, le What a Rebel Might to Have a Curse. Effectivement, c'est très... ça vient de là. Alors, je sais pas ce que je fous en bas, moi. Oula. Il est bas, le sol. Tiens, la NES commence déjà un peu à crever. Vous êtes combien, là, les gars, là? Partout de squelettes. Bon, ça va encore, ils sont pas très violents. Ah, j'ai déjà 40 cœurs. Hein. Il y a bon. Alors, un demi-gros cœur, c'est 4 cœurs. Ah bah, celle-là... Le What a Horrible Night to Have a Curse. On le voit très souvent sur des t-shirts en rapport avec Castlevania. Sincèrement, on en voit très souvent des comme celle-là. Alors pourquoi les mecs ils se font chier à faire des zones comme ça totalement vides? Putain, mais les gars, vous allez avoir ma mort, sérieux. Hein. Ah, il y a un système de niveau. Alors, est-ce que c'est le E38? Ah, level 0, apparemment. Oula, je vais crever, là. Ok, ça y est, à mort. Ah, j'ai 3 vies. Ok. Aïe, ça va pas, non? Ah, c'est ballot, tiens. Je pouvais... Ah, mais apparemment... The morning sun has vanquished the horrible night. Yeah. Putain, à chaque fois, je vais devoir me peler le changement comme ça. Alors là, apparemment, on veut me dire que les indices pour la l'énigme de Dracula sont dans le manoir de machin. Oh là 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 là. Ok, donc il faut que je farme jusqu'à 150 cœurs. Bon, là, je suis à 60. Bah alors on va faire ça hein. Mais il faut que je farme. Mais je reste là, c'est bon? Ou je peux me barrer? Il y a des fois il y a des baraques, il y a rien du tout. Ouais, bien. Ah ben voilà. Je me demandais quand est-ce qu'on allait avoir droit à... vas-y. Je me demandais quand est-ce qu'on allait avoir droit à Bloody Tears, la chanson signature de Castlevania. Là ça y est, c'est maintenant. Excusez-moi, je vais un peu tousser aujourd'hui. Je me suis tapé un petit rhume d'été. Bon ça va, la hitbox elle est pas trop déconnante. Ils se sont régalés avec les vieux volants. Bon bah Scarj m'a dit de farm, donc on va farm hein. Ok, donc c'était pas là qu'il fallait aller. 72 cœurs. La NES elle a un petit peu de mal quand même. Pourtant, c'est quand même pas le jeu le plus élaboré de la NES. Il est pas moche non plus, mais bon. Oh là 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 là. Mais comme ils ont abusé, sérieux. J'essaye de lire en même temps tout ce que vous pouvez raconter. Ah ben on l'a vu ça, nous. On a vu que si on passe la nuit dans un village, il n'y a que des zombies partout et c'est mort, on peut rien faire. Je peux pas y aller comme ça avec mon stuff Ah ouais d'accord. Oh là, et on va se calmer là. Wow, 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 wow. Bon je vais retourner au premier. Allez c'est reparti pour la nuit. Putain, à chaque fois, on va se taper cette expression plus ouah, les yeux, je vais mettre 1000 ans à les flinguer. Ah non, ça va. Ah si, je mets 1000 ans à les flinguer. Oh là. Non mais sérieux, ça va pas du tout là les gars. Quatre fois il me faut pour les flinguer. Et comment je descends moi? Mais comment tu veux que je descende? Je descends comment là? Ah. Non mais c'est chaud. Il est vraiment très très chaud hein. Ah mais c'est que vraiment, non non, en fait, c'est pas qu'il crève vite, c'est que je... À mon avis, je suis pas du tout à ma place, là. Ouh, David Copperfield, les mecs. Je l'évite. Yaha. Bon, ça va me gonfler les corbacs, là. Je sais pas comment j'ai pu le voir, le corbac qui m'arrivait dessus, mais alors... Bon bah, tu voulais du farm. 81 XP. Ouais, c'est... C'est clair que ça n'a plus rien à voir là. C'est plus du tout un Castlevania traditionnel. Ah bah voilà. Là je suis revenu à un niveau de squelette quand même beaucoup plus dans mes cordes. Parce que là franchement... Le squelette où il faut le taper 4 fois pour qu'il crève, pardon mais... Ah j'avais pas vu les petits rochers là. Lui c'est sûr je vais me prendre un coup là. Je veux pas être... Et lui aussi là je vais me prendre un coup, c'est... Eh oui, c'est obligé. Ah, vite là, le jour, vite. Je vais récupérer un peu. Du coup... Ah ouais d'accord, j'allais en direction du manoir. Et en fait il faut impérativement que j'ai donc le cristal blanc et le fouet dont tu me parlais là. Ah ah! Level up! Yeah baby! Et en fait on level... Ah bah voilà, ça y est. Le matin. Donc on level en récupérant des cœurs ou en butant juste les ennemis en fait. Ça j'ai pas suivi. Ça j'ai pas suivi. Oh mais merde les gars. C'est pas ça quoi. Tiens, le Doom 154. Ouais, c'est bon, je vais pouvoir aller m'acheter donc je vais aller pouvoir faire mes petites courses. Oh, c'est un bonheur de se balader le jour. Non, la nuit, c'est un vrai viol, hein. Ah, il était juste recommandé, en fait. Ah bon ? Ah bah ouais, là, effectivement, ça... Je level plus, là. Si j'ai bien compris que le E, en fait, c'est l'XP... effectivement là je prends plus de niveau quoi. Enfin je prends plus de points. Et on fait lui. Non non c'est fini là, je prends plus rien. Alors je rêve ou c'est un village où on peut mourir en fait. Ah, j'ai déjà le cristal blanc. C'est bien ce qui me semblait, là, quand même. Alors, Magic Potion will destroy the world of Whoa, evil. You. On s'en fout. Ah bah, y a de quoi, hein. Y a de quoi gueuler après ça, quand même, hein. Alors, où est-ce que je fais mes emplettes, là, Scarj? Parce que là, franchement, le cristal blanc, donc, visiblement, je l'ai. Tiens, je vais aller, hop, récupérer un peu de vie ici. Et donc, après, le fouet... Le fouet et le... L'autre truc que tu disais, je sais plus ce que c'est, d'ailleurs. Tu m'avais dit un fouet et... Et je sais plus. Alors, est-ce que j'achète la Holy Water du coup? Ah voilà, Holy Water. Ok, donc ça c'est bon. Et est-ce que c'est comme dans l'ancien, c'est-à-dire White Crystal? Non. D'accord. Et donc le Torn Whip, où est-ce que je... Le Torn Whip. Ah, c'est peut-être là. Ah ah. Le Torn Whip. Voilà, voilà. J'ai déjà acheté un formule là, gonflé là. Ah, 32. D'accord, ça utilise quoi concrètement l'eau bénite? Parce que là je viens de... Voilà, là par exemple je viens d'en lancer, je suis toujours à 32... Je suis toujours à 32 cœurs. C'est étonnant. Ah ouais! Ah ouais, donc déjà, ça m'enlève... Ça m'enlève un coup, quoi. Alors, est-ce que... Si ça double les dégâts, franchement, c'est joli. Je sais pas si c'est vraiment ce taux-là, mais... On le verra quand il fera nuit sur les squelettes. Si j'arrive à les buter en une fois, c'est bonheur. Alors là, je suis toujours à 2 cœurs pour le moment. Allez, c'est reparti. Alka, non, ça... Apparemment, ça vient de chez moi, la ramouille. Oh, papa, papa, papa. Alors, forcément, c'est le moment... Voilà. Ah oui, effectivement. Ah mais non. Mais j'ai plus de... Qu'est-ce qui se passe là en fait, compte? Pardon. Ça m'a fait reprendre. Ah par contre, j'ai perdu tous les cœurs que j'avais farmés. Enfin, en même temps, vu que j'ai tout claqué. Non, non, mais t'inquiète, Alka. Voilà, là, normalement, ça devrait revenir à la normale. Je vérifie. Ça ne devrait plus tarder. Ça ne devrait plus tarder. Voilà, ça devrait plus tarder à revenir. Ne vous inquiétez pas. Donc, direction le manoir de je sais pas quoi. Hop là. Ah bah donc. Alors, vainqueur. Non mais je rêve ou quoi? C'est illimité les armes secondaires, visiblement. Attendez, Énergie 0. Cœur 28. D'accord. Non, non, les armes secondaires, c'est bel et bien imité. Étonnant, ça. Bien. Bon, on va voir. Oh là. Ok. Putain, mais j'avais galéré autant que ça quand j'étais minot, moi. D'accord. Alors, ça va être... Ah, quand même. Effectivement, ça a pas l'air évident, l'affaire. Bon, jusque-là. Yeah, Crocker. Alors, c'est bien, je ne sais absolument pas où je vais. On va voir, on verra bien. On va procéder par élimination, hein, de toute façon. On va avancer, et puis quand on ne pourra plus avancer, ben... On prendra un... On prendra un autre chemin. Putain, là. La NES, elle a... Pardon. C'est quoi cette affaire? Pourquoi je suis passé, là? D'accord. Et donc, ça... Oh, putain. Mais c'est quoi, cette histoire, là? Oh, mais merde! Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi ils sont... Alors déjà, pourquoi les ennemis se suicident? Et pourquoi j'ai pu passer à travers un... D'accord. Non, mais visiblement, c'est voulu. C'est du grand n'importe quoi. Bon. Ma foi. Ah ouais, d'accord. Ah, ça y est, je commence à comprendre ce que Scarj disait. Donc on peut passer au travers de... Ok. Alors, il va falloir compter. Donc c'est la 2, 4, 6e. La 6e pierre, apparemment, on peut passer au travers. Donc... 5. Ouais... J'avais pas l'impression... Alors peut-être que c'était à partir de là. Non mais c'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi. De toute façon, j'ai pas l'impression que ça mène quelque part. Donc on va remonter, hein. On verra bien. Le mur était un mur illusoire. D'accord. Donc on a les slimes, les morts de Dracula, là, ouais, ok. Donner accès aux blobs qui sont uniques dans la zone. Oui, et donc ça sert à quoi d'avoir accès à des blobs qui sont uniques? D'accord, on peut pas péter les boules de feu comme dans le premier. Oh, je sens que vous avez pas fini de m'entendre gueuler après le jeu, hein. Ah non, ils sont là. Tu dis de la merde, Scarjé. Tu dis de la merde. Ils sont là, les blobs. D'accord. Et donc ça sert à quoi? Mais il y a vraiment des zones qui servent à rien, sans déconner. C'est impressionnant. J'ai pas regardé l'XP. Non, non, l'XP, depuis que je suis level 1, je prends plus rien. putain, en plus je... Youpi, j'ai perdu le cœur, enfin le demi-cœur que j'avais drop. Bon, visiblement ça avance quand même déjà un petit peu mieux par là. Ok. La grosse merde commence. Alors, est-ce que ça me fait réapparaître les mobs? Oui. Heureusement que les hitbox... Heureusement que les hitbox sont pas trop foireuses. Alors... Mais... Oh putain! « 146 cœurs quand même. Hé hein. Hey !» PV, c'est un peu craignos là l'histoire. Mais alors ce que je comprends pas, c'est vu qu'apparemment Ouh, ça, je vais pas aimer ça. Non, d'accord, il a foutu le camp, le PV. Pourquoi pas. Un oak steak. D'accord. Alors, faut pas sauter trop tôt, visiblement. Oh putain! Mais... Ah, c'est carrément les deux premiers carrés, quoi. On va laisser le blob, voilà, se suicider tranquillement. Ah ouais, d'accord. Finalement, Fred et Arthéon sont partis tous les deux chez Millennium. Ok. Bon. Oh, mais non! Putain! Ah, la détection, elle est... La détection des sauts, par contre, elle a l'air un peu pourrave. Hein. C'est fini, oui. Oh, je sens que ça va me gonfler, ces trucs-là. Oh là 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 là. Oh, ouais, j'essaye. J'essaye, mais alors, le jeu, il a pas l'air... Il a pas l'air très sympa quand même. Hein. D'accord. Yes. J'espère que après il... Ah, il est là le marchand. J'espère qu'après ça va pas me faire tomber sur des pics ou des conneries. Hein. Donc ça veut dire que là, forcément, le mur doit être illusoire, alors. Non? Ah non. Ah, il faut que je descende encore plus bas. Ok, à vos ordres, allons-y. Ah, mais là, je crois qu'il y a le boss, là, en bas à droite. Avec 2 carrés, tout va bien, ça va le faire. Donc ça veut dire qu'il va falloir descendre un peu plus bas, quand même. Alors, on va d'abord aller chercher le marchand. Invest in an oak stake. C'est quoi, c'est un pieu? Ça a l'air, hein? Oui, c'est un pieu. D'accord, il y a carrément une trappe. Oh putain, j'ai cru que... J'ai cru que j'allais y passer. Alors, ouais. J'ai pas l'impression que c'était là, hein. Je crois qu'il faut que je descende encore. Et puis alors, par contre, il donne pas beaucoup de... Non ! Oh putain, c'était là. Oh merde. Ok. Bon ben c'est bien, j'ai gardé mon pieu déjà. Ah ben là du coup je suis de retour. Voilà. Ok, allez, on se retape tout, c'est reparti. Bah je vais trop vite, ma foi. Tu m'as dit je te dirai. Je t'ai fait confiance, hein. Bon, ça devrait aller, là. Je connais le chemin, on va dire. Donc, ça devrait passer quand même un peu plus vite. Là, déjà, il y a les molars qui foutent le camp. Donc déjà, là-dessus... plutôt. Mais... Oh! Shit! Voilà. Donc déjà, il y a tout ce passage-là. C'est fait. Les deux carrés trappes sont sur le pilier du milieu. D'accord. On va s'entraîner. Hop. Oui, apparemment, ça a l'air d'être faisable. Voilà, donc tout ça, c'est bon, c'est fait. Ah oui, c'est vrai que... Oh là! Ils envoient des petits nonos. Alors par contre, je viens de repérer un truc, c'est que quand on meurt, on perd les cœurs. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon, on peut passer... Là aussi. Il n'y aurait pas un mur illusoire là des fois? Non? Non. Donc le couloir du dessous, on s'en fout. Il faudra descendre encore direct. Voilà. Donc c'était... Ah, c'était pas le premier pilier, hein, où je suis tombé, je crois. On va tous les esquiver, comme ça au moins ça sera fait. Ah, effectivement, le squelette, il fait demi-tour au niveau du trou. Et alors? Bah. Ok. Ah d'accord, j'ai les codes de Dracula. Ah, en fait, les cristaux, ça permet de... Ça permet d'emprisonner les morceaux de... Les morceaux de Dracula, en fait. D'accord. Bon, et donc... Bah non, j'ai pas utilisé mon pieu. Ah si, j'ai utilisé mon pieu. D'accord. Mais je rêve là où... C'est un bouclier. Cool, j'ai un bouclier. Voilà, voilà. Franchement, Castlevania, ça a beaucoup changé quand même. Hein. Mais bon, du coup, ça va être vachement pratique contre les diablotins, hein, comme ça. Quand ils vont se pointer et qu'ils vont lancer des petits coups de feu, ça va quand même être vachement pratique. Ah, 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 ah. Donc les côtes de Dracula me servent de bouclier. C'est beau quand même. Bon, alors... Et ben maintenant, donc, que j'ai récupéré cette première partie, je fais quoi? Je suppose que je vais sortir de là, il doit pas y avoir 40 000 morceaux non plus. Alors je fais quoi? Je continue par là? Oula! D'accord, donc 150. Aïe! Un fouet en chaîne. Le fouet en chaîne à Veros, d'accord. Donc le premier village quoi. Bon, ça devrait aller relativement vite, je suis déjà à 104 là. Par contre apparemment, si jamais on se tape un continu, on perd tous les cœurs. En fait il est juste là le malus du continu. C'est que tu perds tous les cœurs que tu affarmes. 124 cœurs. Oh, ça va bien se passer. Salut Rafi-chan. Ah d'accord, il y a des blocs qui se cassent avec de l'eau bénite. D'accord. Voilà, tu me diras, je peux commencer déjà à repartir vers Veros. Ça peut être même des murs. Ok. Bon, ben on verra, hein. Ah, ça y est, c'est le matin. Oh mais là de toute façon ça va être un Castlevania communautaire hein, celui-là hein. Parce que vraiment on n'a pas dit que du bien sur la façon de l'appréhender. « 148, bon ben c'est bon, j'aurai les... Oh mais non putain, à chaque fois je l'oublie celui-là. Ah là, là j'ai pas le droit à l'erreur. Niette, niette, niette. J'ai des cœurs gratos là, on va les prendre. Effectivement. L'humanité se rassemble pour en finir avec Dracula. Bien. Alors, Veros. Et donc, où est-ce que je l'achète le fouet en chaîne? Veros c'était aux escaliers, là tu vas vers Jova. Ah merde! Ah d'accord, donc Veros c'est c'est celui où il faut redescendre en fait. D'accord, bon bah là de toute façon je vais aller me faire heal. Là de toute façon avec un PV je serais pas allé bien loin. Putain il met la vie des rats à nous heal. Jobby Jova. Allez, ça commence, il est parti. On ne le retiendra plus. Veros seconde ville. Ok, donc il faut que je descende. Donc on y retourne. 174 cœurs. Mais je vais me faire plaisir. Par contre... Vraiment la prise d'XP ça va vite hein. Ça va pas très vite hein. Parce que je suis level 1 du pire. Il aura fallu attendre quand même les Japonais pour que les mecs comprennent enfin que c'est absolument pas normal de commencer level 1, un RPG. Que la norme quand même devrait être le niveau 0. Tiens, question con. Ah 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 ah. Et voilà à quoi ça servait. Allez, c'est parti, la nuit. Un code couleur inversé? C'est-à-dire? Oui, on perd la vie par le bas, ouais. Allez, donc c'est parti. Eh ben, on va voir si je peux... Si... Ah, je prends du pex, là. Hein, 51. Je pex, là. On va voir si j'arrive à pex dans la ville. Je pex. Je pex. Ah, trop bien. Ah, je vais buter du monde, ici. Ah, non, là, je pex plus. Ah si, je pex. Ah non, je pexe par rapport au cœur que je ramasse. Ah mais d'accord. En fait, il faut passer un certain seuil, j'ai l'impression, pour que les cœurs deviennent du pex. Enfin, je crois. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Là, j'ai rien pris du tout. Et là, j'ai pris... Donc c'est ça apparemment, ça a l'air d'être ça, c'est qu'il faut redépasser un certain seuil pour que les cœurs se rajoutent dans le E, dans le pex. Eh ben s'il n'y a que ça pour faire plaisir, on va buter hein. Allez, viendez tous là. Allez, allez. Allez, faites-moi pex. Faites-moi grandir! Ma foi, là je m'en fous, hein. C'est pour eux que la nuit va être longue, hein. 102! Je me grobilise! Oui, non mais c'est vrai. Excusez mon néologisme. Alors... Hein, ça pex, puis alors je farme du cœur, mais bien comme il faut. Achète pas la dague, c'est useless. Ok. D'accord. On n'achètera pas la dague. Putain, mais tu t'en rappelles à ce point. Ha ha ha. Asano qui vient faire sa propagande. Non mais... Non mais petit vilain. Mais non, ça va. Effectivement, ratez pas ça parce que franchement, il aura galéré comme un porcasse. Et franchement, je salue sa punacité à lui aussi. C'est... Je pense qu'en fait, c'est ce qui nous définit le mieux dans l'équipe Bitzémaul. C'est que... Ah, tu le refais chaque année en fait. Ok, à Noël, hop, un Simon's Quest. Ouais, je pense qu'en fait c'est notre ce qui nous définit le mieux, à Asano, à Ninisha et moi, c'est que vraiment, on a une capacité à tenir l'Orels. Ok. Ah. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Will you buy a dagger? Donc ça c'est la dague que je dois pas acheter, c'est ça? Ok, donc je ne l'achète pas. Il n'y a pas de problème. et il n'y a pas d'autres murs, donc c'est bon. Alors, il va falloir que je trouve à quel endroit je peux acheter le fouet. Le fouet. Ah tiens, on va gagner un peu de temps. Ensuite, dès que j'ai récupéré le fouet, est-ce qu'il faut que je continue de partir donc vers l'extrémité droite du... Comment je vais... Ah. Oh! Mon dieu. Pète le sol. Ok, c'est fait. Purchase Chain Whip. Yeah! J'ai le whip. Waouh, il est beau. Ah, c'est sûr que là, c'était pas mon fouet tout déchiré, hein, parce que Torn, normalement, ça veut dire déchiré. Bon. Donc, on repart dans l'autre sens. The question is, comment je sors? Ah bah voilà, comme ça. Faut que t'ailles à droite de Berkeley. Ah, faut que je remonte au manoir donc? Et oui, c'était le manoir de Berkeley. Ok. Donc on remonte au manoir. C'est parti. J'ai pex, les gars, j'ai pex. Allez hop. Histoire 2. Ah bah c'est bien, j'en ai un qui fait tout de mémoire et un autre qui me lit qui me lit la soluce qu'il a sous les yeux. À mon avis, si je joue pas trop mal, il y a moyen que ça aille relativement vite. Il est déjà 16h tout pile. Ça fait donc une heure que nous sommes déjà là-dessus. Et ça serait mieux quand même si je regardais ce que je fais. Là, normalement, je devrais plus pexer. 147. Je vais voir la prochaine fois que je vais récupérer un cœur. C'est ça. Je... Oh! Vilain! Vilain-nous! Hello, lolo, Maru! Oh, bah dis donc, il y a du monde! Ah non, c'était pas Thorn, c'était Thorn. Donc épine, en fait. C'était un fouet avec des épines. Donc effectivement. Du coup, là, je me suis fait mon... Ah, mais quel con. Ah. Visiblement, c'était pas le bon endroit. Ah, donc là il va falloir que je sorte. Ouais, effectivement, Lolo. Mais bon, t'inquiète, à un moment donné, je ferai une émission rien que pour toi. Ah, j'ai pris du pex. Oula! Mais j'ai la barre de vie qui a grimpé, là. Enfin, qui a descendu. Je suis level 2. Dis donc, dis donc. Je vais faire du mal à des gens. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut que je descende ou pas? Bon, apparemment, pas l'air de changer grand chose. Aïe! Vite, vite, vite! Ouf! Ah tiens mes amis, les yeux volants. Ah mais donc on pouvait... Allez, c'est parti, la nuit. Ah, effectivement, la musique à l'époque, déjà, c'était pas mal du tout. Bon, je dirais que là, ça se pète, ouais, ok, tout va bien. Ah, je peux leur... péter leur toile. Oh, ce travail d'esquive, mesdames et messieurs. Ouais, ouais, alors, pas tout le temps, en fait. Hein. Oh, mon gonflé. C'est n'importe quoi. C'est Star Wars version araignée, quoi. Je me suis fait mitrailler la gueule, mais bien comme il faut. Fallait descendre les escaliers. Ah. Ah, pardon. Donc je reviens. Oh, merde. De la musique, tu veux dire? Donc c'est bon si je continue par là, alors. Et il y avait un peu beaucoup de monde là. Aïe, oh, tiens, j'ai un peu l'impression d'avoir fait un truc qui a servi à rien. Oh, oh, j'ai la flamme sacrée. Ça sert à quoi? J'ai la flamme sacrée. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je l'ai. J'ai la flamme sacrée. Ok, donc... donc là, il faut que je reparte complètement à gauche pour descendre les escaliers, alors. Aïe, mais c'est pas vrai, oh. Ouais, d'accord, il est comme ça, lui. Ah bon? Bon, rien du tout. Ah, si. Oh, c'est pas mal, ça. Bon, et donc, maintenant, je vais où, là? Où vais-je? Où vais-je? Est-ce qu'il faut que je continue de descendre les escaliers, par exemple? Bon, allez, on va continuer à descendre les escaliers, on verra bien. Mais vous êtes sûr que tout à l'heure j'étais pas venu là, moi, déjà? Oh, mais merde, c'est vous qui depuis tout à l'heure arrêtez pas de me dire de revenir aux escaliers. Ah, mais c'était pour le feu sacré, en fait. J'avais pas compris. Algiban. Ok. Il me manque un item encore. Donc je monte et je vais tout à droite. Ok. Mais la flamme, je l'ai déjà. C'est bon. Mais je le crois pas, je suis pas arrivé une seule fois. Elle est gonflée, hein. Voilà. Oh merde! Je suis venu me mettre pile poil dans le champ. Ah! Zut! Permettez que je me gratte le pif, oui. Donc là, il faut que je descende, en fait. Ah bah ça ressemble au même délire que tout à l'heure, en fait. Donc je vais arriver dans une ville encore. Même pas. Oh, elle est encore déçue. Ah ouais, mais d'accord, en plus ça sert à rien de se faire chier à monter sur les plateformes. De toute façon, je pouvais y aller par le haut ou le bas, quoi. Ok. Voilà. Oui. Oh putain, c'est pas vrai. Arrêtez de changer d'avis toutes les minutes. Devient vraiment bon. Ça commence à rentrer, oui, à force de me faire humilier par tous les Castlevania de la Terre, oui, ça commence à rentrer. Allez, c'est reparti. Ah, bah voilà. Bah tiens, je vais me foutre là et je vais attendre. Je vais attendre la fin de la nuit. Rien à foutre. Moi je veux pas mourir, donc voilà, j'attends la fin de la nuit. Allez, je déconne, reviens. À 3 fois il faut pour vous buter, vous. Ah ouais. Ça va être moins sympa pour Pex. J'ai toujours pas pris un seul niveau. Enfin, un seul point d'XP. Ça va pas être drôle. Je vais de suite essayer de trouver l'église. Comme ça au moins je serai déjà prêt. Et il n'y aura plus qu'à attendre que la nuit cesse. Ça n'a pas l'air d'être là, l'église. Tiens, je vais voir aussi s'il n'y a pas un mur qui se pète quelque part. Alors, ail et cristal bleu. À vos ordres. Alors, combien il me reste de vie, là? Je peux pas le savoir. J'aimerais bien savoir... pourquoi je les one-shot, elle? Ok, cela is one shot. Ah, mais peut-être parce que la flamme, en fait, elle me pompe. Non. Mais wait, il n'y a pas d'église ici? Ah non, non, vous n'allez pas me faire ça, hein. Moi, je veux une église, hein. Allez, faites péter l'église, la bande de salauds. Elle est où l'église? Scarj, c'est quoi cette ville de merde? Pourquoi il n'y a pas d'église? C'est quoi cette ville d'hérétique? Ah, bordel, putain! J'étais persuadé que... j'étais dans une... persuadé que je frappais un zombie avec un PV. Et en fait non, il fallait le taper 2 fois. Bon. Hop 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 hop. Bah en attendant, je vais faire mes squats. Hop. Hop. Ouais hein, franchement... Ah bah voilà. Turn right for Camellia Cemetery. Ah mais d'accord, j'étais en train de lire les... D'accord, j'étais en train de lire les panneaux. Mais pourquoi il y en a, il faut les taper 1, 2 ou 3 fois, je comprends pas. C'est relatif à la vie qui me reste en fait. Bon, toujours pas d'XP. Et là, je prends de l'XP ou pas, non? Voilà. Allez, la nuit horrible. Puis rien du tout, hein, ça me lâche rien, hein, pour l'enfoiré. Bon alors. Où vais-je trouver l'ail? Ah, trouvé. Ça va, hein, à 250 cœurs, je pense que j'ai assez. Je pense que j'ai assez là. Buy some of laurels. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Des laurels, du laurier. Alors en fait, Lolo, il y a... Alors tu vois là par exemple, là tu as le E. Le E c'est l'XP en fait. Le L c'est mon level, je suis level 2, Lolo Maru. Et donc là, en fait les cœurs ne servent plus à lancer de... tu vois, des items secondaires. Là j'ai nos limites, je peux vraiment en envoyer autant que je veux. Tu vois, je suis toujours à 256 cœurs. Et tu vois là j'ai un inventaire aussi. Donc là j'ai un cristal blanc qui m'a permis de récupérer la première partie de Dracula. Et donc il va falloir que je récupère toutes les parties de Dracula pour pouvoir le ressusciter, le buter. Sinon, sinon Simon meurt en fait. Voilà voilà. Et donc il va falloir... Alors Laurier il m'a dit oui je prends. Donc je prends. Voilà c'est cool. J'ai des lauriers. Là par contre j'ai que 2 lauriers. Ok. Ah. Haha. Ils sont un peu parano dans cette ville. Hein. Ah, c'est de la défense. Ok. Pour le combat final. Parfait. Dans le 1, il n'y avait pas d'aspect RPG, ça fait rare. T'es quoi, toi? Ah, bah voilà. Donc c'est lui. Voilà, ça y est, j'ai le cristal bleu, j'ai les lauriers. Par contre, j'ai pas j'ai pas encore l'ail, le garlic. J'ai pas le garlic, donc... que je le trouve. Hop. Alors. Où est-ce que ça se passe pour l'ail? Yo papa. Ouh foufou. Il est foufou ce monsieur là. Une des maisons pour l'ail. Ok. Bah ça doit être celle-là alors. Ah, ça y est, trouvé. Voilà. Ils sont vraiment très très parano, hein, les habitants dans ce jeu. Hein. Surtout qu'en plus, franchement, le mec, il se planque parce que bah, il vend de l'ail. Tu me diras, vu qu'en ce moment, les... Qu'est-ce que c'était quoi, toi? Ok, tout ça pour ça. Bon, c'est pas là donc. Oui, Sano. Enfin, c'est surtout le garlic, le canon garlic de Vegeta, hein. Quand même. Quand même. Le canon garlic de Vegeta. Ah. Eh ben, dis donc. Avec l'ail, tu fais brûler les mains dans un cimetière. D'accord. Some garlic. Yes, I want some garlic. Ah ouais, mais j'en ai que 2 des garlic. Et à quoi ça va me servir de... Oh putain, mais quel con! Bon, ça va, j'ai perdu les cœurs, il m'en restait peut-être une centaine, mais bon. D'accord. Et donc ça marche comment? Il faut les lancer, il faut faire quoi? Donc c'est ces mains-là qu'il faut que je pète? Bah... Mais il s'est passé quoi là? D'accord. Et donc là, je fais la même chose. Là, ça a pas marché, j'ai l'impression. Ben, une dague argent, en l'occurrence, oui. Mais... Ah d'accord, ok. Donc tu lances de l'ail et... Donc qu'est-ce que je fais là? Je repars acheter de l'ail ou je les laisse mes morceaux ici? Je fais quoi? Ah la dague, item très sympa. Faut me le dire hein, parce que... Ah ouais, ça a l'air. Parce qu'apparemment, enfin dans les Castlevania, la dague, habituellement c'est pas trop ça. Alors là, je pense que ça va pas marcher. Ah d'accord, ok. Et redescendre, remonter tu veux dire? Bon, on y va. Je pense qu'on aura quand même pas mal avancé hein, en 2 heures. Franchement, je pensais... Allez, c'est reparti. Je pensais quand même que... on allait... On allait beaucoup moins en voir que ça en 2 heures, mais finalement... Finalement, on s'en sort pas trop mal. À nous tous. Hein. Ah, raté. Ah, c'est pratique, ça. Ah oui, non, d'accord, on peut descendre les escaliers. Ok, d'accord, d'accord. Donc c'est là, en fait. Mais non, c'était pas là, le... Ah si, c'était peut-être là, remarque. Je m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Ah ça y est, je recommence le pex là. Wouhou! Allez, en route pour le level 3 les gars. Yeah! Gros bibis-moi. Excusez-moi. Ah! Quel con. Ok. Oh mais quel con, mais c'est pas vrai. D'accord, donc j'ai traversé l'eau. C'est cool. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de caché dans ce mur? Non. Allez, c'est parti, donc deuxième. Oh putain, c'est pas vrai, j'y pense pas à chaque fois à cette flamèche que ça laisse au sol. Donc, est-ce que c'est de nouveau le même délire? Là, j'arriverai pas à sauter jusque là-haut. Putain, ça va, ouais les gars, on sera assez nombreux là. Est-ce que je reprends le pex? Peut-être. Est-ce que du coup il y a le même genre de délire avec les dalles intangibles? Ah, dalle intangible, repéré. Ouais, donc apparemment c'est comme dans le premier donjon, de nouveau des histoires de dalles intangibles. Ah, il y a encore un petit vendeur en plein milieu là. Viens ici mon gars. Est-ce que j'ai assez de pognon pour toi? Encore un hog steak? Ah mais en fait il me faut un pieu à chaque fois pour péter comment ça s'appelle? Oh, 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 oh merde! Oh là 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 là. En fait il me faut à chaque fois un pieu pour pouvoir en finir avec avec le truc de Dracula quoi. Oh mais non! Ah, c'est salaud, ça. Bon, visiblement, de toute façon, ça n'a pas l'air d'être par là. Donc, je repars dans ce sens. Pour briser le vide. Gros dégueulasse. Scarj, tu es un gros dégueulasse. Bon. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la mort est beaucoup moins embêtante dans ce Castlevania que dans le premier, parce que voilà, on reprend immédiatement là où on en était quand même, et c'est beaucoup moins lourdingue que le tout premier quand même. Alors là, visiblement, rien d'intangible. Pour voir où sont les faux blocs. Oula. Ah, c'est pas con ça. C'est un peu long, mais... Oh! Merde. Ah d'accord, là en fait c'était en train de me dire que si je lançais de l'ail dans dans les trucs, et eh ben je pouvais récupérer un... D'accord, d'accord, d'accord. Alors. Raté. Alors, le pieu. Voilà. You now possess Dracula's heart. Ok, j'ai le cœur de Dracula. Et ça, c'est vachement bien. Et donc, à quoi il sert le cœur de Dracula? Bon. On va rester avec ses côtes. Les côtes de Dracula. Il faut équiper quoi? Le cœur de Dracula? Ou le l'ail? Parce que j'en ai plus d'ail. Oh heureusement qu'il y a eu un petit ramouillage, ça m'a permis de bien vivre ma descente vers les chevaliers. Olé! Heureusement que les hitbox se sont bien foutus. Parce que là quand même, j'étais vraiment au-dessus de sa gueule. Retourner à Jova, la première ville, pour sortir de la ville par la gauche. Ouais. Oh non! Oh le piège de merde! Oh, et j'y vais droit dedans quoi. Ah ok d'accord, ça va. Bon allez donc retour à la toute première ville. Ah ouais en fait si je pouvais sauter jusque là. D'accord. Bon ben ok. En fait je pouvais. Persuadé que j'aurais pas sauté assez haut, mais apparemment si. Allez, c'est reparti. Donc en plus, c'est la nuit. Hop, on se retape tout. Bon, et une fois que je serai à Jova, je pars à gauche en fait, et tout simplement. C'est juste ça. Oh, j'étais persuadé que j'allais choper la plateforme. Oh, mais non, mais c'est nul ce truc. C'est nul. Ouais, donc là vraiment le point négatif c'est que dès qu'on tombe dans le continu, ben on perd tous les cœurs qu'on a récupérés. Voilà, donc c'est ce qui m'est arrivé. Mais effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de mourir finalement c'est moins problématique que dans le tout premier quand même. Parce que ça repart immédiatement et du coup c'est beaucoup moins. Pour le notier. Ah d'accord. Ah c'est avec le passeur. Ah je m'en rappelle le passeur. Je m'en rappelle. Et donc il veut un cœur. Mais il est dégueulasse. Oui, non mais ça je le sais que je m'impatiente, mais bon, le jeu qui te replace pile poil au bord du précipice, franchement c'est... Tu t'attends pas vraiment à ça quoi. Bon ça va pas être si long que ça. Allez. Pourquoi il m'a traversé, j'en sais rien. Alors ce qui va être rigolo de voir, c'est si Dracula dans Simon's Quest, il a la même technique... Ah, oh, je vais y arriver. Est-ce qu'on peut utiliser la même technique que j'ai trouvée donc, dans le Dracula du premier, à savoir sauter, donner un coup de fouet comme ça pour tomber pile poil sur sa tronche et pouvoir lui sucrer toute sa vie. Oui, non mais effectivement, mais oui, non mais bien sûr. Oh, il m'énerve. Tu m'énerves. Ah, 5... Ah non, j'allais dire 52 points d'XP, mais non. Pas du tout. Donc là, à Jova, par contre, j'ai rien à récupérer. Hein. Oh, mais merde! Bon, bah, j'irai faire un petit tour à l'église. avant de partir. Ah, je crois qu'il allait me laisser un cœur. Non, toujours pas d'XP, hein. Alors, faudrait vite que j'y arrive avant qu'il fasse nuit. Les courbes de la fiole, c'est pas évident quand même. Alors je m'en rappelle plus où est l'église dans celui-là. Mince, je crois qu'elle est tout en haut. Haha, elle est tout en haut l'église. Youpi. Allez, feu. Vite, vite, vite à l'église. Ah putain, ça y est, il fait nuit. Ah, dommage. Bon, bah tant pis, pas d'église. Allez, on va voir le passeur direct. Dis donc, t'as l'air un peu gros toi. Ça rigole pas là les mobs, hein. Est-ce que c'est ce que je pense? Est-ce qu'il faut que je traverse... Est-ce qu'il faut que je traverse là-dedans? Ah, voilà le passeur. Alors, let me show you the way. Ok. Ah, le mec, en plus, il attend même pas que je sois descendu proprement, quoi. Le type, pouf, il est reparti direct. Bien, bien, bien. Bon, bah, nouveau manoir avec 4 PV. Elle est vraiment sympa la musique de manoir, je trouve. Putain, on aura fait 3 parties en... Enfin, 3 morceaux. Alors. Là, j'ai 107 cœurs. Donc ça suffira pour acheter un pieu. En toute logique. Ah, je suis une mitraillette à fiole maintenant. Bon. Ça a l'air d'aller. Ah, raté, c'était pas là donc. Pour la mort, flamme du souhait. Ok. Pourquoi il est tout seul là-haut, lui? Ma foi. Vite, vite, vite. Ouf. Je suis pas encore à la mort, donc je vais vérifier tous les murs comme d'habitude. Aïe! Aïe! Oula, je vais mal vivre un truc là. Ah bah voilà pourquoi. Ouais, mais alors le pieu... Oui, mais je sais, il est là le pieu, apparemment. Donc, oui. Ok, pas de problème. Tout va bien. J'écoute Scarj et Rafi-chan. Et les deux cumulés, c'est assez redoutable quand même. Oh. Wow, je le savais que j'allais crever. Donc il faut redescendre là visiblement. Allez. Voilà. Et il va falloir repartir vers la gauche pour aller chercher le pia. Mais... Oh, mais c'est pourri, ça. Mais tu vas mourir, oui. Purette, hein. Alors, in an oak steak. Yes. Oh, comme il m'aura stalké, lui. Ah, il me voulait, lui. Ah, il me voulait. Il n'y a pas de problème. Lui, il me voulait. Alors, petit test de flamme. Ça va. Allez, feu, la mort avec un PV, ça va bien se passer. Bah déjà, je vais mourir. Ah non, je meurs pas contre les chauves-souris. Oh, pas mal. Ha ha ha. Non mais jamais elle crève la mort là. Ça y est. Oh là 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 là. Alors là, mon gars, j'ai masterisé la mort. Troisième morceau de Dracula. Franchement, je suis, mais sincèrement fier de moi, quoi. Bon, là, normalement, je meurs immédiatement en sortant d'ici. Ah bah, il y a de nouveau la mort. Bon, bah, on s'en fout. Hop. Ah, voilà. Voilà, fallait bien que ça arrive. Ah, de toute façon, ça ne pouvait que arriver ce genre de truc. Bien, donc 3 parties. Il nous reste encore 2 parties. Franchement, dimanche prochain, on a fini Simon's Quest. Hein. Me veulent les armures, c'est fou ça. Ah merde. Alors maintenant faut aller à gauche de l'entrée de Rover pour tomber dans un cimetière. Ah merde. Tu trouveras un vioche qui te file le diamant. Ok. Oh, je vais pas arriver à sauter, je ne crois pas ça. Ah bah quand même. C'est temps. Effectivement. Merci de le dire. Effectivement. Ok, ok, ça marche. Alors en fait là... Oh, ça a l'air d'être bien ça. Mais... Allez. C'est abusé ce truc. C'est trop bien. Ah, il y avait un bouquin là-haut. Bon, tant pis. Je crois que c'est la première fois où je vois un jeu où les pieds respectent. Mais ils sont pixel perfect avec les marches d'escalier. Regardez ça. Ça peut paraître un détail stupide, mais la plupart des jeux 3D déjà, donc les modernes bien sûr, déjà ils se font pas chier à faire en sorte que le personnage... Et les pieds qui correspondent avec les marches. Très souvent on a les pieds qui ont une animation et qui n'est absolument pas relative aux marches d'escalier. Et ben là, là franchement c'est pixel perfect avec les escaliers. C'est assez impressionnant. Et du coup... Ah bah si, tu vois Scarj qu'il y avait il y avait une trappe. Donc c'est parti vers la gauche. J'ai voulu y aller comme ça à la Warrior. La question c'est, est-ce qu'il va vraiment me le donner le diamant? Parce que s'il veut me le vendre, c'est mort. Hein. Oh là. Oh là. Ah ouais, il faut vraiment se mettre très très à droite du bordel pour arriver à sauter correctement. Hop. Et il fait des sauts assez énormes. Ah non, en fait il faut... D'accord, il fallait attendre qu'il soit bien en bas en fait. Oh là, et une fois que t'as récupéré le diamant, retourne voir le passeur sans être équipé du cœur. Ok. Putain, mais tout ça, il faut le savoir sans Solus à l'époque. C'est juste pas possible, quoi. Oh, les têtes de méduse, le retour. Ah si, elles sont coriaces, hein. C'est les têtes de méduse qui étaient dans les armures, dans les chevaliers. Voilà le vioc. I'll give you a diamond. Ok, c'est tout. Comme ça. Tu marches dans la rue, enfin, tu marches dans la forêt, infesté de monstres, et t'as un mec qui te voit, il te dit, tiens, j'aime bien ta gueule. Te file un diamant, mec. La logique des jeux vidéo. Ah oui, d'accord, donc 200 cœurs, ok. Et là, j'ai combien de cœurs? 24. 28. Ah ouais, ça va être long. Ils sont violents les aigles. Hop. Oh mais merde. Oh. Zut de flûte. Voilà. Allez, viens là. sont violents, les... Oui, oui, à l'époque, oui, il y avait déjà des solus, oui, à l'époque de la NES. Ça, on le sait. Oui, oui. Oh putain, j'ai cru que j'étais trop court. Ah, les trucs de moche. Ah, mais non, mais je vais trop vite. Pff. Allez. Zéro... Oh, mais non, mais... Le grand n'importe quoi. Allez, hop. Voilà. Youhou! Youhou! Alors, c'est là où il faut attendre que ce soit en bas. Voilà. Toing. 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 Oh merde, trop court. Mais qu'il y niaille. Toing. 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 Hop. Toing. 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 Et toing. Voilà, c'est bon. Ça passe mieux quand même quand je fais moins de conneries. Donc là, il faut que je farme maintenant... Enfin, peut-être pas maintenant, non. De toute façon, on va attendre de trouver le... Alors, faut pas que j'ai le cœur. Ok. Et il faut que j'ai le diamant. Sure, I take you to a good place. Hey, hey, hey. Non mais vraiment, ils vivent mal des trucs, hein, dans ce jeu. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il attend même pas qu'on ait débarqué, hein. Il se casse direct, hein. Non mais attends, stop. Temps mort. Pourquoi je retourne au même endroit là? Alors on va reprendre les côtes. C'était prévu là que je retourne au même endroit en fait Ah merde. J'avais pas vu le loup. You have... Ah bah ça y est, je suis de retour à... Je suis de retour à Jova là. Bon, et donc là, s'il vous plaît. Allez, c'est reparti, c'est la nuit, putain. Ça fait 2 fois que je veux aller dans le... Dans l'église, et ça fait 2 fois que j'ai pas le... Que j'y arrive pas, quoi. Bon, bah on va en profiter pour farm maintenant, hein. Je suis pas en train de pex, là. 12. 28. Non, ça va. Ah, d'accord. Ah, fallait rester sur le passeur. D'accord. Bon, bah, j'y retourne, alors. Ou Jessica est mère. Ah, Jessica Alba. D'accord. J'ai mis du temps à la comprendre, celle-là. Bien pratique les côtes de Dracula. Et 21, je suis en train de pex. Ça y est, je suis en train de prendre du niveau. Pardon, mais pourquoi... Pourquoi j'avais plus mon... J'avais plus mes côtes. Voilà. Donc ma théorie se confirme. Alors, donc, on m'a dit... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, ça rebondit partout. Sure, I'll take you to a good place. Hey, hey, hey. Bon. Donc il faut que je reste dessus alors. Alors... Ah! Donc c'est ça alors, ça c'est Alba. Ça a l'air d'être ça. Alors ça serait bien que je trouve cette fois-ci l'église. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est grande cette ville? Enfin, oh! Ça y est! C'est le matin! C'est le matin! Et je n'ai pas de sang au cœur! Ah, d'accord, il y a un mec qui veut échanger son cristal rouge contre ton bleu. Bon, bah, déjà, on va. Mais je suis bête, ça sauvegarde peut-être pas. Quoique si. Vu la complexité de... Il me reste 5 minutes, ouais. Non, mais je crois qu'on va arrêter là. Hein. On va se remettre la vie à fond. Et puis... Puis de toute façon, ça sert à rien. Hein. D'accord. Et ben on va essayer de trouver celui qui veut échanger... le cristal. On va voir, est-ce que c'est là ou pas. Et non, il n'y a pas de pile de sauvegarde, ça se fait par mot de passe. Some garlic. Bah non. Visiblement, j'en ai plus besoin. On va juste essayer de voir si j'arrive à trouver le... Au moins le cristal. Alors ça n'a pas l'air d'être là. I'll see you at midnight on the river bank. D'accord, elle veut me voir à minuit sur le bord de la rivière. Coquine. Désolé mec, sorry pal. Hit Deborah Cliff with your head. To make a hole. D'accord, il faudra à un moment donné que je fracasse une falaise avec ma tête. À plus tard, Julien. À bientôt. De toute façon, on va pas tarder à arrêter. J'essaye juste de voir si j'arrive à trouver le cristal. On va juste faire ça. Me refaire le même coup tout seul. C'est quand même concept de crever dans une ville. Ah, c'est peut-être lui. Alors, est-ce toi? I'd like to exchange. C'est bon, c'est lui. Voilà, donc, j'ai mon cristal rouge, ici présent. Je commence à avoir pas mal d'armes secondaires. Donc logiquement là je pense qu'il faut que je parte vers la gauche. Oh là! Elles sont bouillantes les larves là. Bon, 80 cœurs. Est-ce que ça va me sauvegarder tout ça, le password? Est-ce qu'il va être suffisamment bien foutu pour me garder tout ça, enfin pour me codifier tout ça dans un password? On verra. Voilà. Il est chaud là, ce squelette. Il est chaud. Bon ben les gars, on va allègrement se suicider pour pouvoir faire apparaître le password et donc l'avoir pour la prochaine fois. Mais écoutez, vraiment on a plutôt bien progressé là en l'espace de 2 heures. On a bien avancé. Bah pour une fois que je... Ah bah tiens, pleine ville. Hop là. Est-ce que c'était ma dernière vie? Ouais, ça tombe impeccablement bien. Voilà, donc on s'affiche le password KNPicté 1. Oh, il y a déjà des arrobases. 1 arrobase M arrobase VRJJZWBZ. Voilà les amis. Eh ben écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent pour m'épauler dans cette première partie sur Simon's Quest. Franchement, très sympa, merci beaucoup. On a bien progressé, et comme ça au moins ce jeu qui ne plaît pas au plus grand nombre, mais bon qui s'avère assez sympa quand on sait où aller quand même, hein, parce que je pense qu'à l'époque, enfin moi je me rappelle qu'à l'époque je l'avais pas aussi bien vécu, donc bon voilà. Bah écoutez, on se quitte là-dessus, je vous fais de... c'est le Japon, ils ont eu internet en 1910, oui c'est pas faux. Donc bah écoutez, je vous remercie beaucoup, gros bisous, effectivement à dimanche prochain pour la seconde et à mon avis dernière partie, puisque là on m'annonce que j'ai quand même moyen de récupérer le dernier fouet. Donc ben gros bisous, bonne semaine à tous. Et puis à dimanche prochain, bye bye, ciao ciao.